Eh bien salut à tous les amis, c'est LestierFoot et on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief et résumé du match qui a eu lieu ce soir entre Leicester et Liverpool. Petite surprise puisque comme vous venez de le voir, c'est Leicester qui a gagné 1-0 à l'issue d'un match assez ouf. Et bien justement, on va résumer tout ça et on va faire débrief de tout ça dans cette vidéo. Donc voilà, bienvenue à tous. Avant toute chose, n'hésitez pas à me lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement qui fait toujours plaisir. Merci à tous les amis. Et puis voilà, on va commencer d'abord avec le résumé du match. Donc je viens de vous montrer en image, bien évidemment toujours avec des photos parce que je peux pas, avec des vidéos les amis, je peux pas vous les mettre. Et donc d'abord c'est le pénalty raté de Salah. Salah, il y a faux sur lui, ça il n'y a pas débat. Ensuite il s'élance pour tirer le pénalty, il le rate puisque ça vient buter sur Schmeichel dans un premier temps. Ensuite il vient mettre la tête qui vient finir sa course sur la barre des buts de Leicester. Donc il a vraiment pas de chance, il est pas vernier sur ce coup là Salah. Et du coup on en reste à 0-0, grosse occasion ratée pour Liverpool hein. D'ailleurs on a fait le live, donc si vous voulez voir les réactions bah voilà, vous pouvez aller voir sur la chaîne la rediff du live. Et puis ensuite l'ouverture du score à la 59e minute de jeu pour Leicester grâce à Lookman qui était rentré en jeu. Il venait juste de rentrer en jeu Lookman et c'est lui qui ouvre le score du coup à la 59e et qui permet à Leicester de mener 1-0 puisque le match se termine à 1-0 comme vous l'avez vu. Donc maintenant au niveau de mon débrief les amis, voilà, je vais vous montrer les stats notamment pour pouvoir débriefer. Donc mon débrief rapide, c'est que Liverpool n'a vraiment pas eu de chance ce soir parce que voilà, ils étaient quand même meilleurs, ils étaient vraiment meilleurs que Leicester, ils méritaient la victoire hein. C'est même pas qu'ils méritaient le match nul, non, c'est qu'ils méritaient clairement la victoire Liverpool. Leicester a été très très réaliste, 6 tirs, 1 cadré, 1 but, tandis que pour Liverpool c'est 21 tirs, 4 cadrés seulement. Déjà voilà, 21 tirs tant 4 que 4, c'est un peu dommage. Et puis bah voilà, aucun but pour Liverpool avec cette occasion de rater de Mané notamment. Salah qu'on a raté plusieurs avec le penalty de rater, c'est celle qui ressort le plus. Mais il faut aussi quand même souligner la très 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 grosse performance de Schmeichel ce soir dans les buts de Leicester qui a été vraiment ouf. Schmeichel c'est peut-être l'homme du match, j'ai pas eu le temps de voir qui est l'homme du match, mais je pense que si c'est lui l'homme du match, c'est pas une surprise parce qu'il en a sauvé de très 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 grosses occasions pour Leicester. Donc vraiment bravo à Schmeichel qui a fait un très bon match dans les buts de Leicester. Mais voilà mon débrief, vous avez les stats hein, devant vous, 64% à 36 hein, notamment la possession pour Liverpool. Bon bah voilà, Liverpool était meilleur, ça se ressent aux statistiques, ça s'est ressenti lorsque j'ai commenté le match en live. Mais malheureusement bah voilà, il y a des soirées où vous avez pas vraiment de chance et c'est ce qui s'est passé ce soir pour Liverpool, ce qui justifie jusque ce score de 1-0 pour Leicester. Les 3 points pour Leicester. Et justement au classement, qu'est-ce que ça donne les amis? Et bien voilà, ça donne ça, Liverpool à la deuxième place. Liverpool hein, qui perd un petit peu des points sur Manchester City puisqu'ils sont à 6 points de City comme au début du match hein, puisqu'ils gagnent aucun point hein, Liverpool. Et surtout ils sont à égalité de points avec Chelsea et ça c'est pas ouf parce que demain, à l'heure où je vous parle hein, c'est demain que Chelsea joue contre Brighton il me semble. Donc si Chelsea gagne et ben Liverpool passe à la 3ème place, donc c'est vraiment pas une belle opération. Tandis que pour Leicester, bah là c'est la belle opération puisqu'ils étaient 11ème avant le début du match et bien là ils passent à la 9ème place. Leicester c'est sûr que bah, c'est vraiment bah, c'est une belle opération hein, de passer dans la première partie de tableau, c'est vraiment bien. Ils reviennent à égalité de points avec Wolverhampton notamment, Leicester, donc plutôt une belle opération pour Leicester. Donc voilà pour le classement. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo débrief. J'espère qu'elle vous aura plu avec les plus grosses actions, les résumés, tout ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme j'ai dit, à me lâcher votre plus gros like. Ça ferait vraiment ultra plaisir. À vous abonner aussi, tout ça c'est gratuit. Donc voilà, vraiment merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Merci à tous les amis. Je vous dis à la prochaine. C'était LestierFoot. Ciao. We'll be right back.